Voilà. Donc, je suis chez Souleymane Traoré. Traoré. Hein? Voilà, artiste. Artiste, sculpteur, fondeur. Sculpteur, fondeur. Fondeur, il n'y a pas d'intermédiaire. Je fais Voilà. tout du début à la fin. Très bien. Et ouais. Donc, oui, là, vous sortez votre petite Voilà. sculpture. Quelques sculptures pour Oui. mieux voir à la lumière. Pour mieux voir à la Voilà, lumière. comme le D'accord. stock, il est un peu. Même il y a la lumière, mais c'est un peu sombre. Ben oui, ça Voilà. c'est votre. Là, c'est le trésor. Votre trésor. Voilà, je ne sors pas tout ça, mais. Oui. Même il y a d'autres au fond là-bas Ah aussi. ben je vais m'approcher quand même pour. Voilà. Oui. Pour filmer tous vos belles créations là. Ouais. Voilà. Et oui. Et là, elles seront en exposition bientôt? Bientôt, oui, mais pas tous. Parce que Pas sur toutes. les expos collectifs, on ne peut pas tout présenter. Oui. 4, 5, 6 à certains endroits. Bon, les 4 là, je dois les exposer à Caen avec une association le Oui. fin août. Ah oui. Bon, après, ceux là-bas, j'expose à les artistes en Normandie à Avranches. Ah oui, Ce Avranches. sera septembre. En septembre. Oui, au Haras d'Avranches. Oui. D'accord. Ah, très bien. Parce qu'il y en a plein, mais comme je dis, j'ai pas de place. Là, ceux Oui. qui sont couverts, là, c'est les grosses pièces. Ah. Je les sors pas tout le temps. Oui, Voilà. oui, oui, Plus c'est gros, c'est cher, c'est joli à voir, mais c'est pas facile à vendre. oui. Oui. Ouais. Alors, je vais me déplacer, filmer Oui. par ici. Voilà. Je mets un peu partout. Ma femme me dit, ah, Oui, mais les artistes, ils ont toujours Et plein de si vous voulez voir, là, je coups de voulais choses. quelqu'un aussi à Hauteville. Vous n'êtes pas là le samedi. Vous êtes à Hauteville? Samedi, dimanche. Ah, samedi, Oui, dimanche, d'accord. j'installe à midi et demi samedi. Oui, dans la salle, là. Je crois que c'est vers la mairie, c'est sous le. Oui, Je ah sais oui, pas trop. d'accord. Oui, Oui, oui. on est plusieurs. Oui, c'est bien. Oui. Oui. C'est sous des chapiteaux, je crois, ouais. Alors, ben, Souleymane, je vous suis, Oui, il hein? n'y a pas de souci. Et puis, On ben, va à la lumière. vous allez vous présenter. Oui, maintenant là, on dehors. Voilà, la Ça va? lumière. Voilà, on va à la lumière du jour, c'est mieux. Voilà, c'est mieux à la lumière. Voilà vos jolies sculptures, Voilà, ça vos petites c'est créations. quelques modèles. Là, j'en ai Oui, pris 5. ouais, Ouais. c'est très sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà, ben, ce qu'on vous pouvez, oui, vous Oui, présenter. Donc vous vous appelez Souleymane. je m'appelle Traoré Souleymane, sculpteur fondeur, Oui, originaire du Burkina Faso. d'accord. Voilà, donc je travaille la cire depuis 1987 quand j'ai arrêté l'école. Oui. Bon, je peux dire depuis ma naissance, puisque mon père il faisait ça, mon grand-père il faisait ça. Ah, Donc d'accord. moi je compte à partir de mes 15 ans que j'ai Oui. arrêté l'école. Donc depuis tout petit, je travaille ça. Ouais. D'accord. Donc je peux dire c'est une technique, c'est un métier que j'ai hérité de mes parents. Oui. Donc après l'école c'était dur, j'ai arrêté. Oui. Bon, voilà, je me suis lancé dans ça. Et au bout de 3-4 ans, j'ai commencé à faire mes propres créations. D'accord. Bon, après, en Afrique, ce n'est pas la même culture qu'ici. Parce Oui. qu'avant, il faut travailler pour le père. Quand il n'y avait pas le père, c'était pour travailler pour le grand frère. Donc, on a travaillé pour lui au moins 20 ans ou 21 ans. Ah, d'accord. Bon, après 21 ans, moi, j'ai dit non, c'est bon. En 2008, j'ai créé mon atelier au Burkina. Et j'ai appelé tous les jeunes qui veulent travailler, qui n'ont pas d'espace. Chacun travaille et fait ce qu'il veut. Et puis, voilà. Ah oui, Et d'accord. j'ai découvert aussi l'Europe, c'était en 2002 avec une association dans le sud. Donc j'animais comme ça, bénévolement, tout l'été, je viens, un mois, 2 mois. Puis voilà. Et au fur et à mesure, j'ai des stagiaires qui venaient me voir en Afrique. Et après, quand j'étais en France, ah, tu peux venir là, tu peux venir là. Donc je peux dire en Europe, j'ai des amis un peu partout. Donc D'accord. voilà. Donc j'ai gardé mes créations pareilles, c'est ce que je vois autour de moi. Je ne sais pas dessiner, je ne prends pas de photos. Oui. Mais quand j'ai la cire, je travaille ce qui sort dans la tête. D'accord. Voilà. Même là, je regarde une pièce, quelqu'un me dit, je veux ça, plus petit ou plus grand. Celle-là, ok, c'est bon, je ne regarde plus. Je prends la cire, ta, 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 je le fais. Voilà, c'est. Voilà. Donc, on dit la technique à la cire perdue. Mais moi, dans ma tête, j'allais dire, bon, comme on a entendu comme ça, j'allais dire, c'est la technique au moule perdu. Puisque je travaille beaucoup avec la cire d'abeille. C'est de la cire naturelle que je prends avec les apiculteurs.
Oui. Et en Europe, ici, il y a plusieurs qualités de cire. Mais le mieux, c'est ça, je connais aussi, la cire d'abeille. Je le prends, je le chauffe au soleil ou au feu. Elle devient souple comme de la pâte à modeler. Je donne la forme du sujet que j'ai envie de le faire et je le laisse au bout de 30 minutes. Elle durcit comme du bois ou du plastique. D'accord. Donc j'ai plusieurs couteaux maintenant. Avec le couteau, on peut l'enlever et si ça ne me plaît pas, je réchauffe et je peux recoller. Ah Et oui. si j'ai une pièce en cire, la forme ne me plaît pas, je le chauffe au feu doucement et je redonne une autre forme. Ce n'est pas D'accord. comme le bois ou la pierre. Oui, Quand oui, tu oui. loupes la structure en pierre, elle est foutue. Par contre, la cire, si tu loupes, tu réchauffes et tu donnes la forme que Oui. tu veux. Ah oui, d'accord. Et quand j'obtiens maintenant mon modèle en cire tout fini, je prends, là j'ai de l'argile très fine, je mets une couche très fine sur la pièce en cire. Donc l'argile prend la forme de la cire, je le laisse sécher et je remets une deuxième couche plus épaisse. C'est pas les deux argiles sont différents. Je mets une couche épaisse au moins 1 cm et je le laisse une demi-journée ou une journée s'il fait beau. Quand le moule est sec, je l'approche au feu, la cire s'en va et l'empreinte va rester dans le moule creux. Et ce D'accord. moule creux, maintenant, je le réchauffe une deuxième fois dans un grand feu. Lorsqu'il est rouge, je fonds mon métal et je le mets dedans. Et D'accord. j'attends 1 heure ou 2 heures, il se refroidit selon le volume de la pièce. Dès qu'il se refroidit, je casse et j'obtiens mon modèle en bronze avant de passer maintenant à faire les finitions. Donc chaque pièce, elle est unique. Là, bon, vous êtes bien arrivé. Ça, c'est l'argile cassée, c'est les moules. Quand je casse, c'est comme ça. Quand j'ai un tas, il faut jeter. Où est-ce que c'est? Le tas d'argile, tout ça, c'est Là. des moules que j'ai cassés. Ah, Vous voyez, des d'accord. fois, même on voit les traces là-dedans. Voilà. Oui, Ça, oui, c'était. oui. Voilà. Donc, le moule, on ne peut pas ouvrir, avoir la pièce et refermer le moule. C'est pas possible. Le D'accord. moule, c'est une seule fois. Donc, ça, après, il faut que je le gèle. Mais je vais le casser pour l'utiliser comme un bac à sable. Et puis, j'ai plusieurs qualités de bronze aussi. Soit je fais mon mélange moi-même, ou soit j'achète des lingots de bronze. Donc, pour faire avoir le bronze aussi, il faut du cuivre et de l'étain. Voilà, bon, il y a plusieurs mélanges, plusieurs alliages. D'accord. Mais les patines, on les obtient après avoir fini de faire la finition. C'est des oxydations qu'on applique. Sinon, ça ne sort pas du moule patiné comme ça. Donc la première cire, c'est celle-ci. Oui, la cire Voilà. d'abeille. La cire d'abeille, Ouais. qui là, elle est dure, là, Très, hein? très dur. Très Si je veux dure. le travailler, il faut que je l'approche. Bon, il n'y a pas de soleil. Il faut que je l'approche près du feu. Près du feu, Oui, d'accord. il y a des petits braseros ou un Pour barbecue. la ramollir Voilà, et rendre souple comme de la travailler. pâte à modeler. Ah oui. Et après la cire Une plus fois fine, fini en cire, oui. j'ai de l'argile ici. Tu. L'argile ici, c'est mélangé. Il y a plusieurs. À chaque fois, il faut avoir de l'eau pour toucher l'argile, c'est important. Voilà. Là, j'ai de l'argile fine comme ça. Donc, bon, là, la pièce, elle n'est pas finie. Sinon, normalement, si elle est finie, il faut aplatir l'argile fine pour vous mettre très, très fine là-dessus. Voilà. Pour être sûr que l'argile a adhéré tous les détails. Ah, Il y a d'accord. certaines personnes qui font de la barbotine, ils trempent la Oui. cire là-dedans. Là, on est sûr que l'argile est partie dans tous les coins. Mais Oui. quand tu fais la barbotine, ça prend du temps à sécher. Moi, je peux mouler ça en 15 minutes. La barbotine, s'il fait beau, il faut une demi-journée. Voilà. C'est juste ça. Oui, là, c'est on sent que c'est. Oui, il y a un peu de fibre. Ah Oui. Je mets oui. un peu de toile de jute pour la première couche. La deuxième couche, je mets beaucoup. Voilà. Un peu de toile de jute. Oui, Ah oui. un peu de toile de jute dans l'argile avec du sable Ah très oui. très fin, si Donc, j'en ai. vous avez appris tout ce Tout travail-là ça, avec votre voilà, papa. avec mon père. En Votre fait, j'ai père. commencé avec mon père, mais mon père, il est décédé, j'avais quoi, 12 ans. Donc, j'ai fini avec mon grand frère qui est le cousin le plus âgé de la famille. D'accord. Voilà, c'est comme ça. C'est des traditions de père en fille. Avant, dans notre famille, on est issu d'une famille forgeron. Soit tu fais la sculpture, soit tu fais les outils pour travailler la terre ou les anciens fusils à poudre. Bon, comme Oui. moi, je n'aimais pas les fusils et tout ça, donc mon père, il faisait ça, je suis resté dans ça. Donc, j'ai mon demi-frère, lui, il travaille les armes. Ouais. Bon, maintenant, ça a évolué, chacun fait ce qu'il veut. Donc ça va faire combien d'années maintenant que vous Je travaillez? peux dire 32 ans. 32 ans. 32 ans, ouais. De Oui. 87 à nos jours. Oui. Ouais. Bientôt, on va Donc arriver à 33, mais j'ai dit 32. vous êtes connu alors ici dans la Dans la région? région, ça fait quoi, 5 ans que je suis installé, mais bon, j'ai beaucoup d'amis autour. Oui, Ouais, oui. j'ai exposé avec beaucoup d'associations aussi. Oui, j'ai vu Ouais. aussi que vous exposiez à Granville À aussi, à la salle Granville, RL, j'avais oui, vu. avec les artistes Granvillais. Bon, cette année, à cause du Oui, Covid, ça n'a pas lieu. tous les expos sont annulés. Tout, Ouais, tout, tout, tout. oui, Ouais. hélas. Là, je suis même pas trop motivé à créer. Donc, voilà pourquoi j'ai fini les grandes pièces.
J'en ai D'accord. plein comme ça, des petites pièces. Il n'y a pas d'expo cette année. J'ai dit non, c'est bon. Alors justement, une petite question, le confinement, comment ça s'est passé pour vous? Oh là là, très compliqué. Et Bon, compliqué. compliqué, oui. Après, je peux dire, ça m'a permis de créer, de trouver d'autres idées. Mais D'accord. sur le plan artistique, tout est arrêté, quoi. Ouais. Voilà. Après, bon, comme j'ai dit au téléphone, je travaille dans l'usine à Gouville de temps en temps aussi. Ça, c'est en dehors de la sculpture. Donc, Oui. ça me permet de sortir et revenir, quoi. Ouais, donc vous avez pas très bien vécu le Non, non, confinement. non, 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 ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ouais. Parce que déjà, vous avez vu les stocks. Oui. Et maintenant, ça va mieux. C'est reparti. Ouais, peut-être oui, si ça Oui. commence à aller. Parce que on va aller à Hauteville, là, voir ce que ça donne. Après, Oui. les autres expos, ça se suit à Caen et à Avranches. D'accord. Ouais. Surtout avec les artistes, on avait deux expos, Caen et Bayeux. Ils ont annulé ça Oui, aussi. je Donc, sais, ouais. Tout est annulé. ouais, Hein. c'était pas. Avranches, c'est pas mal, Avranches, c'est Oui, bien. Avranches ou Haras d'Avranches, la plupart des temps, c'est bien. Parce que c'est pas comme dans les salons, les expos, chacun amène trois ou quatre pièces. On a chacun notre petit emplacement. On peut présenter 20 ou 30 pièces. Mais il D'accord. faut être là, quoi, pour Oui. surveiller ton stand. Là, Oui, tu peux oui. pas mettre 30 pièces et puis te barrer. Oui. Par contre, sur les salons, chacun amène 4 ou 5 et puis c'est tout. Oui. Alors, oui, donc après, la finition, c'est avec le feu. En fait, quand je casse les sasseurs du moule, Oui. je prends une pièce que j'ai cassée, ça fait plus pareil. Quand c'est pas urgent, je ne me presse pas à faire les finitions. Hein. Ça, c'est un lecteur. Bon, j'ai d'autres finis, mais autres modèles. Quand ça sort du moule, elle sort comme ça. J'ai des lignes à côté. C'est tout, c'est dans des mallettes, mais ça fait beaucoup. Tu l'as Voilà, quand ça filmé? sort, quand ça sort du moule, Est-ce qu'elle peut voilà. tenir debout? Ah, Normalement. pas trop? Après, je dois couper ça. Elle va Oui. s'asseoir comme ça, si je coupe Ah, ça. oui. Voilà. C'est une J'aime personne beaucoup. qui est en train de feuilleter son livre. Oui, j'aime bien. Quand ça sort du moule, c'est comme ça. Ce côté-là, j'ai commencé à limer. Ah, Ouais. d'accord. C'est un côté, c'est doré un peu. Oui, doré, oui, voilà. Quand c'est doré comme ça, c'est que le cuivre ne domine pas. Quand le cuivre domine, même quand on casse, ça doit garder cette Ah, couleur-là. Ouais, d'accord. couleur cuivre. Alors, ça veut dire que c'est pas bon, non? Non, c'est bon. Je dois C'est tout bon? limer Tout d'abord limé, d'accord. à la lime, après avec le papier de verre, avant d'appliquer des patines comme ça. Ah, d'accord. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Donc, elle sera assise, cette. Oui, ben j'ai un modèle qui se ressemble, mais pas totalement. Voilà, si ça tombe, vous enlevez votre. Oui. Je vais amener l'autre de près, vous allez voir. Mais c'est pas tout à fait pareil. J'avais trois comme ça, parce que j'ai vendu un là-bas. Ça, c'est Ah un autre lecteur, mais pas le oui. même mouvement. Donc là, Avec son livre, elle est elle est en train terminée, de. Oui, celle-ci. ça, là, c'est terminé. Ah, Bon, celle-là très aussi, jolie, quand j'aime je coupe beaucoup. ça, elle doit s'asseoir comme l'autre. Ah, elle me plaît bien. Voilà. Lui, il est en train de feuilleter. Là, déjà, ça lit. C'est des jolies Ouais. pièces. Puis ça sort comme ça. Le résultat final, c'est comme ça. Donc, celle-là, elle sort après le Elle sort feu, du moule, une oui. fois. Voilà. Ouais. Quand ça sort du moule, c'est comme ça. Après, il D'accord. faut que je coupe la tige là, 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 là. Parce que je l'ai coupée comme ça. D'accord. Donc, j'essaye de mettre des tiges, des évents pour permettre au métal de passer. Voilà. Et pour couper, il faut à À la nouveau que ce scie. soit chauffé. Non, 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 Ah tout à non. l'heure, je prends une scie. J'ai À la vendu une scie. scie Ah comme ça. d'accord. C'est lent, mais c'est sûr. On peut le couper à la disqueuse, mais il Oui. faut aller droit à la disqueuse. Bon, la scie, même si tu te trompes, tu ne fais pas trop de mal. Bon, la disqueuse, si tu te trompes une fois, oui, ça prend sur la pièce. Donc, je préfère tout couper à la scie d'abord. Elle est jolie. Après, les finitions, c'est à la main. Donc, les petits détails que je ne peux pas bien atteindre, j'ai des petits burins. Après les burins, je prends Oui. maintenant la dremel. Ils sont tous à la main. Comment ça s'appelle? Une dremel pour aller dans les coins où le burin ne peut pas atteindre. C'est des D'accord. petits outils qui vont dans les angles. Oui, 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 Voilà. oui. Il y a tout un travail de Ouais. finition après, Ouais, mais hein. c'est bien de tout faire à la lime, à la main. Là, on est sûr, on ne va pas faire trop de conneries. Et pour faire des pièces de ce Oui. style, ça prend combien de temps? En fait, moi, j'ai l'habitude, je peux créer une pièce comme ça en cire une demi-journée. Une Mais demi-journée. toute l'étape que j'ai expliquée, il faut au minimum 3 à 4 jours. Oui. Puisque quand je travaille la cire une demi-journée, il faut préparer l'argile, la première couche, la deuxième couche, mouler. Et quand on moule, on ne fait rien, on le laisse au soleil sécher. Donc, on ne D'accord. peut pas compter tous ces temps, quoi. Parce Oui. que la pièce, elle est au soleil en train de sécher. Une fois que c'est sec, on remet la deuxième couche qui fait, vous voyez l'épaisseur, qui fait au minimum 1 cm. Voilà. Donc, si on a 1 cm d'argile sur la cire, s'il fait beau, une journée, c'est sec.
Ouais. Donc maintenant, je le coule pareil en 2 heures de temps. La couleur, Oui. c'est 2 heures. Bon, Ouais. la finition, lime, papier, patine, c'est une journée. Ah oui, Voilà. ça prend Donc pour énormément une de pièce temps. comme ça, je peux dire en gros 3 jours, quoi. Trois jours, Trois jours successivement, oui. tac, tac, tac. Bon, je compte pas le séchage. Oui. Ah oui. Après, je stocke tout. Donc, si j'ai pas de commande, je peux prendre 1 mois ou 2 mois. Je fais que des modèles en cire. Et une semaine ou 3 jours, je commence à mouler. Et quand j'ai fini de mouler maintenant, bon, je ne vais pas couler tout ça d'un jour. Je peux couler 10 ou 8 une journée parce que je travaille seul. D'accord, Voilà. Mais oui. bon, si c'est une commande, je prends juste la commande, je coule, je fais ça. Vous voyez, comme je dis, celle-là, je l'ai coulée à Gers. Mais ça fait 1 an, je n'ai même pas encore touché. Elle est très belle. Voilà. Oui. Et vous, oui, comme vous disiez, vous travaillez comme à l'instinct, enfin voilà. Ouais, ce qui tombe dans Pas la tête. quand il y a des commandes, Oui. vous aimez bien Ah, ou vous oui. préférez plutôt Mais j'aime travailler? travailler tranquille. Même s'il y a des commandes, j'aime. Mais il faut que ce soit les gars. Bah, mais comme je travaille les têtes de volée, le client, il est pressé, il n'est pas pressé. Après, il me dit non, je te donne une avance. Je dis non. Dès que tu prends l'avance, 1 semaine, 2 semaines, ils vont t'appeler. Ah, c'est pas fini, c'est fini. Je dis non, tranquille, je vais finir. Et Oui, puis, voilà, je vous livre, je prends l'argent. oui. Mais sinon, vous préférez travailler, enfin, Tranquillement. et puis là, toutes ces figurines, c'est vous, Oui. c'est qui, C'est mes c'est pensées. à l'instinct, quoi, Voilà, c'est c'est vos mes pensées. pensées. Ouais. Parce que tout ce que je vois autour de moi, comme je dis, je regarde bien. Après, ce qui reste dans ma tête, si j'ai envie de réaliser, je le réalise. Ouais, j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est fin. Ils sont tous. Après, comme je dis, ils sont tous. Je peux faire deux, trois quand même. Les autres qui sont derrière, deux qui se ressemblent, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Mais Oui. c'est à peu près le même mouvement. Parce que ce n'est pas le même moule qui refait. Non. Mais j'ai un ami par lui, il avait vu une pièce, il croyait. Mais j'ai dit non, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas l'avoir et puis l'agrandir. Si tu dis ça, c'est petit. Il faut que je prenne la cire, fabriquer la taille que tu veux. Oui, alors la grande, vous êtes en train d'en faire une très grande, Très, très grande, ouais. C'est qui est celle-là. là-bas, 1 mètre, mais tout c'est fini. difficile. Oui, tout fini, ça sera 1 mètre 60, plus le socle qui va faire 20, donc 1 mètre, Ah oui, tout voilà. fini. Voilà. J'aurai un socle en fer qui fait 20 cm. En plusieurs morceaux. Maintenant, lui, je l'ai condamné en plus. Avec la porte. Est-ce que je vais l'avoir comme ça, normalement? Ah, Voilà. la voilà. Je l'ai condamné. Ah. C'est pas vrai. Je n'ai pas pensé. Voilà. Voilà. Ouais, là, elle est grande, hein. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Magnifique. Une fois fini, ce sera soudé. Je redresse bien, je vais voir le soudeur. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là, c'est une commande, c'est quelqu'un Oui, qui. c'est quelqu'un qui voulait, mais avec toute l'histoire du Covid là, il est Oui. intéressé, mais ça fait un moment, il m'a pas donné de nouvelles. Mais bon, comme je l'ai déjà bien avancé, c'est pareil, j'ai pas pris d'avance aussi. J'ai dit Donc, non. une telle sculpture peut s'installer dans un Oui, jardin. dans un jardin, Oui. bien fixé, et puis voilà. Je crois qu'il voulait même dans son jardin. C'est Oui. des gars, ils ont une maison à la sortie de Granville, mais ils travaillent sur Paris, Oui. entre Granville et Saint-Père. Là, elle est dorée. Oui. Et Après, une après? fois fini, je vais faire des patines. Je vais faire des patines. Les patines, c'est des oxydations. D'accord. Elles seront de cette Oui, couleur-là, comme alors. ça. Ouais. Puis après, oui. Non, la personne veut juste cette Oui, couleur comme ça. juste Parce comme que ceci. celle-là, ils ont vu, mais oui, comme ça, mais plus grand. D'accord. Ouais. Là, ça fait plus de. Je suis là-dessus, mais pas tout le temps, mais ça fait plus de 6 mois. Alors une pièce pareille, ça coûte combien? Hein. Là même, je ne sais même pas si j'ai discuté prix avec lui, mais c'est autour de 3 000. Oui, bah oui. Ouais, 3 000 euros. Bon, c'est un ami. Après, si j'ai une galerie, après, si je le fais fondre par une fonderie, il faut encore vendre plus cher. Oui. Comme je le coule moi-même, je fais tout moi-même. Ben, voilà, j'ai dit 3 000. Ici, vous travaillez là, vous Oui, faites fondre là. Oui, 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 oui. J'allume les moules dans le bois ici. oui. Et le four, je le trimballe, je le mets ici. Et D'accord. je branche, voilà, ma rallonge. Et puis c'est bon. Ah oui, J'ai une donc soufflerie électrique je bien loin. viendrai vous filmer Il n'y a pas de souci. avec le four. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est une belle pièce, hein? Ouais. Très Donc grande. j'essaie de finir. Peut-être avant, j'aurai ça fini. Hein. Oui. Il y a d'autres en cours de préparation. J'aimerais présenter 3 grandes comme ça avant. Oui.
13 septembre. 12, 13, 12, 4, 12 ou 15 septembre. D'accord. Voilà, d'avance. J'ai ça dans un cahier. Très joli. Celle-là, je vais l'exposer là-bas, mais je ne vais pas vendre. Oui, ben Si non. je vends, si les clients viennent trouver, ah, tu l'as fait, mais tu l'as vendu. Mais les deux autres que je suis en train de préparer, oui. Et vous en faites deux autres grandes encore. Oui, Ouais. oui, Celle-là, je vais le fixer sur le socle, ça fait 1,50 m. Le troisième, il fait 1,50 m aussi. oui. Ah, d'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Travailler des grandes pièces ou plutôt des petites? Voir Des si... petits, ouais. Parce que les Petits. grands, c'est joli à présenter, mais ça se vend pas facilement. Oui, Ouais. c'est Et puis, ça. ça prend du temps aussi. Oui, Comme aussi. celle-là, je dis, ça fait 6 mois que j'ai commencé. Des fois, Ouais. j'arrête, des fois, je fais. Ouais. Et là aussi, j'habite en ville, je ne peux pas faire trop de bruit tout le temps. Là, Oui. même avec la meuleuse, c'est bon. Ah oui, c'est Là, bruyant. oui, à midi, il faut arrêter. Surtout les jours fériés, c'est 10 h midi. Ah oui. Les samedis, je peux le faire, mais Ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Et vous aimez bien travailler tranquillement, dans le silence ou Je mets un peu de un musique peu et de puis je travaille musique? là tout seul. Avec la musique, ça va. Une La musique musique, là, africaine? ouais, surtout, ouais. Oui. C'est Quel ça. genre de musique, par exemple? Non, c'est la musique traditionnelle du Mali. Du Mali, Ouais. d'accord. Même pas du Burkina, c'est du Mali. D'accord. Ouais. Il y a la musique traditionnelle au Burkina, mais le langage qu'ils parlent, je ne parle pas ça. Donc, C'est essentiellement de la musique. Est-ce que je peux écouter votre musique? Oui, je l'ai éteint sur YouTube, mais je peux l'allumer, ça ne me Comme dérange ça, pas. Il y a toutes sortes de me musiques. permettra de... Il y a toutes sortes, ici, il y a toutes sortes de musiques sur le Mali. Hein. Oui, Moi, j'aime beaucoup. quand je suis en bas, c'est ça, j'écoute avec. J'ai quoi? J'ai même pas éteint l'ordinateur. Quand on parlait, je crois que j'avais éteint. Vous êtes bien là, hein? C'est calme. Oui. Pour ça, si c'est pas des fois c'est moi qui fais le bruit avec la meuleuse. Oui. Ou bien si je veux casser du gros bois. Et à Coutances, vous exposez aussi? Avec le Rotary Club, souvent ils font des expos Oui. à l'église Saint-Nicolas. Ah, l'église Oui. Saint-Nicolas de Coutances, Oui, oui. j'ai exposé 2 fois avec eux. Oui, bah oui. Aussi, ouais, au château de Au Grateau. château Gratteau, Tous oui. les ans, il y a une exposition. Ça va peut-être repartir, toutes ces Oui. expositions. Et je vais exposer à Port-Bail. À Port-Bail, oui. Port-Bail, C'est c'est. vers Cherbourg, non? Oui, Oui, c'est ça. ça a 45 minutes d'ici. Oui. Oui, j'ai des dates comme ça, mais bon. Donc, ça va, C'est au là. mois de mai. Octobre, novembre aussi. Je crois que c'est la Toussaint, si je ne me trompe pas. Les expositions repartent. Oui, ça repart, mais ça fait quoi? Ça fait un moment tout arrêté, hein? Ben oui, Tout, ça tout, tout, tout. n'a pas été facile. Je descendais, j'avais même pas le courage de les toucher. Je regarde comme ça, je dis non, c'est bon, il y en a plein, faut pas faire, faut rien faire. Même une Oui, pièce comme ça, j'ai juste commencé, je crois, ça fait plus de 6, 7 mois. oui, oui. Après, j'ai dit non, ça va. J'ai dit Et ça va. donc cette pièce-là, justement, elle sera aussi posée sur un socle. Normalement, c'est deux personnes que je vais faire comme celle-là, un couple, Un couple. mais travailler dans ce style-là. Voilà, D'accord. mais j'ai pas encore l'idée Oui. finale. Oui, ça Bon, ça vient. serait un couple, deux personnes comme ça, mais pas travailler comme ça, travailler comme ça, dans ce D'accord. style. Mais il faut deux personnes. Donc là, j'ai fait une personne, le deuxième, Oui. alors, je ne l'ai pas encore fait, mais l'idée, c'est ça. Oui, la création, l'idée se fait au fur et à mesure Voilà, mais c'est du bien quand il y a le travail. soleil, comme l'été arrive. Voilà, quand il y a le soleil, j'ai la cire là, ça va plus vite. J'ai pas besoin, sinon j'ai un petit brasero que j'allume. Ça m'arrive même D'accord. le soir, je travaille. Je fais même des finitions le soir. J'ai installé de la lumière en haut de ma tête là. Si c'est la Oui. nuit, j'allume ça aussi. Des fois, Ah, je... j'entends un petit peu votre musique. Voilà, oui. Peut-être pas assez. Un Comme tout petit ça. peu. Oui. Un tout petit On la peu. mettra dans l'ambiance. Encore une fois.
musique du Mali. Oui, c'est ça, Habib Keïta. Parce que bon, j'écoute beaucoup le Mali parce qu'il parle le Bambara et le Djoula, c'est à peu près la même chose. Donc je comprends tout ce qu'il dit. Ah oui. Par contre, si j'écoute là, il y a des musiques traditionnelles du Burkina et il parle Mossi. Moi, je parle pas Mossi. Ah, Donc d'accord. voilà, pour chaque fois que je suis là, c'est la musique malienne que j'écoute. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils disent alors? Qu'est-ce que ça Non, en fait, raconte? lui, Habib Keïta, il parle de l'aventure de chez lui et des grandes villes. Voilà. D'accord. Donc, il y a d'autres que j'étais en train d'écouter le matin. Lui, c'est un chercheur. Donc, il chante, il fait louange aux chercheurs. Voilà. Ah, Il fait d'accord. la musique pour les chercheurs. Pour les... Les chercheurs, Qu'est-ce que c'est? ceux qui partent à la chasse. Ah, les chasseurs. Oui. D'accord, oui. J'avais pas bien Oui, compris. c'est ça. Donc vous l'aimez bien. Comment il Ah, s'appelle ce chanteur? celui-là, c'est Habib Keïta. Comment? Habib Keïta. Ah. Je crois qu'il est venu même une fois ici à Jazz à Coutances. Ah oui, il y a le Oui. jazz à Coutances Lui, ici, il est hein? venu jouer là il y a Mmh. 2, 3 ans, si j'allais le voir. Ouais. Et Avant, ça... il était installé en Belgique, mais fait des concerts un peu partout en Europe. Ah, Il d'accord. est basé au Mali. D'accord. Je le connais. Bon, je ne veux pas dire que je le connais, mais je sais où il est même à Bamako. Ah ouais. Est-ce qu'il y a aussi des femmes Ah oui, chanteuses? Oumou Sangaré, Fatoumata Diawara. Ah oui, D'accord. tous, oui, tous ces femmes, ils sont venus ici aussi. Ah Oumou oui. Sangaré, elle était là, Fatoumata Diawara, 2 fois. Oui. Ouais. Oui? Oui, hein? Il dit, il va m'appeler, il ne m'a pas appelé. Oui, il dit, il va m'appeler, il ne m'a pas appelé d'abord. Ah, ce que j'aimerais faire, c'est filmer avec que Oui, après. les sujets, les Oui, objets, j'enlève la voilà, pile alors. que uniquement vos petites créations, voilà. Voilà, ça va être joli. Oui, après j'irai. Et je reviendrai vous voir quand vous installerez votre feu et quand... Je vais expliquer à mon ami. C'est le Oui, 1er août, si vous êtes 1er par août, ici. je viendrai. Voilà, je vais. S'il est d'accord, je Oui. viendrai. Hein? Voilà. Voilà, C'est sûr. je Mais vais... oui, je l'ai dit non. J'ai dit, si je viens travailler là, si c'est vous, je ne peux pas couler en même temps. Oui, Donc, oui, je dois préparer un moule ici oui. et amener ça là-bas pour couler. Bon, Oui. je vais amener de la cire, ils vont voir comment ça se travaille. Et ça prend énormément de temps pour Oui. installer le feu, le 2 heures, tout four. est fini. Oui, pour installer tout ça. Installer, allumer, couler. Écouler. Voilà, ça Ah oui. prend la moitié de. Mais non, mais si vous venez, voilà, moi je vais vous dire, je crois que je vais là-bas à 18h, m'a dit 19h. Donc même Oui. si vous venez à 20h, ça va, quoi. Très bien. Vous allez trouver le feu déjà Oui. allumé. D'ici 30-45 minutes, on D'accord. couche, quoi. C'est pas la peine de venir Oui. attendre Et 2 heures. vous utilisez des gants, quelque chose pour vous Si, protéger? j'ai des gants comme ça, mais plus épais. Oui, quand Ça, même. c'est juste les gants pour les Ça punitions. chauffe, hein. Ah oui, j'ai tout ça. Chaque chose a sa. Ah oui, il J'ai ça. faut. Les matériels de la coulée que je porte, le métal, c'est là-bas. Les 2 pinces, c'est ici. Il Voilà, faut ça, un c'est tout. équipement, ben oui, Voilà. hein. Mais après, je suis un peu habitué à ça. Ça chauffe, D'accord. mais ça brûle pas. Et est-ce qu'il y a d'autres artistes qui travaillent comme vous ou vous êtes Dans notre vraiment unique? famille, on le fait. Et puis au Burkina Faso, la plupart, on a à peu près la même technique. Oui. Après ici, bon, après j'ai un ami qui faisait pareil, mais lui c'est trop sophistiqué, Voilà. c'est trop moderne. Oui, vous Il aussi. a des fours à gaz, il a des combinaisons, des cases, Ah, d'accord. des trucs, c'est trop. Non, Oui. j'ai un tablier même des fois, les tabliers me gênent quoi. Votre méthode, c'est la méthode traditionnelle. Traditionnel, voilà. Ce que j'ai appris, même j'ai un ami qui me dit, mais pourquoi tu n'achètes pas un four à gaz? Je dis non, le four à gaz c'est encombrant. Et puis pour faire une coulée avec le four à gaz, il faut 2 bouteilles de gaz. Moi, je prends le charbon de bois, Oui. j'arrive à monter à la température que je veux, C'est je ça, gère oui. comme je veux. Lui, des fois, il dit, ah, il y a trop de vent, ça peut monter de température. Il a un thermomètre pour moi, j'ai pas de thermomètre. Quand le D'accord. métal est coulé, vu à la couleur de la flamme, je peux savoir à quel Oui, vous niveau je suis. sentez les choses. Ouais. C'est plutôt, Voilà. c'est une méthode ancienne. Ancienne, et puis à force de faire, je n'ai pas dit que c'est des secrets, mais c'est des petits détails, ça reste. Oui, Voilà. c'est votre secret. Donc lui, il a 2 bouteilles de gaz. Des fois, il donne, une fois, on allait le voir, il a donné rendez-vous pour faire la coulée à 15h. Mais à 16h, le métal n'était pas prêt, quoi. Et moi, quand j'ai dit 45 minutes, si vous venez, 1 heure, c'est fini. D'accord. Ah oui, parce que j'allume le bois avant. Mais dès que je mets mon métal à fond, 30-35 minutes, c'est liquide.
D'accord. C'est comme ça que je fais. Et puis Oui. c'est avec du charbon que je prends à Carrefour ou à Oui, Action, un peu partout. je vous avais vu à Voilà, Renierville, vous c'est aviez toujours travaillé, pareil. ouais, j'avais Quand je trouvé. me déplace, c'est celui, le petit pot là, je prends pour allumer les moules là-dedans. Ici, j'ai des briques. Et Ce puis, petit pot-là. là, le vieux barbecue là. Oui, Bon, c'est oui, ça, j'allume oui. les moules là-dedans. Je ne prends pas des grands moules pour les démonstrations. C'est juste des petits. D'accord. Ah ben, c'est intéressant, très intéressant. Après, comme le monsieur me dit, ouais, mais tu n'as rien, mais tu arrives à faire ce que tu veux. Je dis, ouais, mais tout ça, c'est des trucs de récupération. Même le fer, il est déjà oublié, je vais le jeter et chercher un autre. Ça, c'est des bidons, ce que j'ai pris, je vais inventer pour chauffer les moules là-dedans, des petites moules là-dedans. Ah, d'accord. Oui, les gros, Moi, oui. dès que j'ai la soupe, quelque chose qui donne de l'air, je m'adapte. Ouais. Et D'accord. avec le four à gaz, ça encombre. Il faut avoir une remorque pour tout trimballer. Oui, puis Si votre... quelqu'un me demande pour venir faire une démonstration, si je peux faire le feu dehors, je prends ma soufflerie, quelques briques et puis c'est bon, quoi. Ah oui, puis vous pouvez même venir, Oui. par exemple, si je vous demande de venir chez moi, Je viens avec le petit four. Même si le d'accord. monsieur, c'est le petit four que je vais amener. Vous pouvez faire ce... Oui. Parce qu'il y a cette deux plaques. démonstration. J'en ai trois plaques comme ça. Oui. Donc je mets des morceaux de bois par terre et j'installe les plaques là sur le bois et je dépose mon four sur la plaque. Là, Ah, je d'accord. travaille sans toucher le sol. Ah Sur le goudron, sur la pelouse, ça gêne pas. Mais vous voyez là, je coule ici. Donc je pose même pas de plaque, ça c'est le gravier, ça va. oui. S'il y a la pelouse ou le goudron, je fais ce système. Deux bois, la plaque et le four sur la plaque. D'accord. C'est comme ça que je fais. Bon, Même à ben. Régnéville, c'était comme ça. Quand Oui, je vais j'avais chez vu les au gens, château. j'amène ça. Est-ce que vous vendez pas mal de petites sculptures? Ça va? Les Ça petites marche bien? sculptures, j'arrive à Ouais. vendre ça si c'est pas avec l'épidémie, mais les grands, ça se vend pas facilement. Oui, c'est Non. ça. Hein? Mais voilà pourquoi à chaque fois dans mon stock, il y a plein de petits. Même Oui. j'en ai fait encore d'autres, encore plus petits. Ah! Ah ouais. Est-ce que je peux voir les toutes Est-ce petites? que j'en ai un ici? J'essaie de faire toutes les tailles, mais des fois, quand c'est trop petit, c'est pas. Oui. Ah Voilà. oui, il est tout petit, je les Voilà, avais trop vus. petit, des fois, voilà, c'est pas. Non, ça devient comme ça. Voilà, elle est filmée. Ouais. J'essaie de faire toutes les tailles. Oui. Même, j'ai un ami, des fois, il me dit, ouais, tu fais des petites pierres, tu vends, nous, on vend rien. J'ai dit, mais il faut faire. Ah. C'est pas. Lui, il peut faire. Il envoie couler ailleurs. Donc, il peut pas vendre comme moi, je vends. Moi, j'ai des pièces que je vends 150, 160. Si tu donnes ton modèle en cire dans une fonderie, ils Oui. vont te demander 200 ou 150 aussi. Oui. Et toi, maintenant, pour vendre, il faut vendre peut-être 300 aussi. Donc, si moi, je dis au gars, moi, je vends un truc pièce comme ça, 150 ou 160, lui, il ne peut pas. Lui, s'il doit vendre, c'est le double. Oui, parce Parce que s'il qu'il le fait va, couler, si tu il le fait fais couler couler ailleurs, voilà. ailleurs. Donc, il ne fait pas des petites pièces. Et s'il fait des petites pièces, il ne pourra pas vendre. Oui, Il c'est a ça. des pièces 4 000, 5 000, 7 000. Non. Là, j'ai vu son copain avant-hier. Il me dit, ah oui, j'ai un ami, un client qui veut une tête de cheval pour toquer à la porte, mais en bronze. Donc, il a le modèle en argile, non, en plâtre. Il dit, donc, tu prends le modèle en élastomère, tu mets ta cire là-dedans, tu me donnes le modèle en cire. Moi, je te dis combien je vais te le couler. Et par contre, il l'expose avec ce monsieur, mais lui, il ne peut pas couler. D'accord. Ah ouais. Non, Il y a ce que je voulais dire. Est-ce que vous aimez bien la nature, aller à la mer? Est-ce que ça vous inspire? La nature, oui. Bon, des fois, je vais à la mer quand j'en ai trop à la terre. Sinon, après, j'aime bien la nature. Ouais. Bon, aller à la mer aussi, peut-être se balader. Mais je sais pas nager, donc Ah oui, il faut non? apprendre tout ça. Vous ne savez pas nager? Peut-être se Oui. balader, Ah oui, mais oui, pas nager. ah oui. J'ai pas appris, je sais pas trop. Dès que l'eau arrive là, je commence à Ah, flipper, quoi. d'accord. Donc, ça, c'est dans le projet. Ah oui. Nager et apprendre à faire de la musique aussi. Donc, quand vous allez souvent là-bas dans Mais, votre pays, en non, en Afrique? Afrique, il n'y a pas de mer. Non. Chez moi, dans mon pays, il n'y a pas de mer. Oui, mais est-ce que vous allez régulièrement là-bas en Oui. Afrique? Oui. Tous les ans, je pars au mois de décembre. Oui. Mais là, cette année, je suis parti deux fois. J'étais là-bas en décembre, revenu le 5 janvier.
et mon fils il devait venir, donc j'avais un rendez-vous avec l'ambassade. Il fallait repartir le 3 mars. Et j'arrive et je redis à mon patron, ah, je dois partir en Afrique. Et j'étais gêné, mais je n'avais pas le choix. Ah oui, j'ai attendu, j'ai dit, bon, il faut partir. Donc, oui, puis ils ont annoncé le confinement vers le 11 mars. Hein. Et moi, quand je suis allé, ils ont fait le visa pour mon enfant le 17. Mm-hmm. Et j'ai pris le dernier avion le 21. Mais avant d'aller, j'avais pris les billets comme ça. Oui. Le retour, c'était prévu le 21. Et c'était le dernier vol. Ah, comme oui. Si je savais. Donc, moi, je suis parti le 3 et revenu le 21. Ah oui. Et c'est un petit village là où vous habitez? Non, j'habite en ville. En mais ville? J'ai ma famille dans le village. D'accord. J'habite à la deuxième ville du Burkina, qui est Bobo Dioulasso. Comment il s'appelle? Bobo Dioulasso. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai mes parents qui sont au village, un peu partout. Dans un petit village, ouais. Ah oui. Alors comment ça se passe dans les villages? Oh, ça craint. Ça craint? Oui, surtout j'ai un oncle, il est à la frontière avec le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui. Oh, ça craint. Ouais. Ah oui. Hein? Je pars là-bas, même avant d'arriver, tu es fouillé au moins 2-3 fois en voiture. Quoi. Ah, surtout, oui. J'avais un sac. L'autre, il contrôlait les papiers. Je suis allé au poste de police. Il y a un autre policier qui est venu dire à mon frère d'ouvrir le coffre. Ils ont ouvert. Il a trouvé mon sac à main. C'était noir, il y avait des trucs. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais mon frère dit, non, c'est un sac. Il dit, non, il faut ouvrir, ils vont voir. Ils ont tout contrôlé. Ah, d'accord. Ouais, ouais. C'est une frontière qui craint, mais bon, j'avais pas le choix aussi. Mm-hmm. C'est pas qu'il faut rester, appeler, dire, ouais, je suis venu, c'est pour te saluer. Bon, en Afrique, c'est pas ça. Quoi. Ah oui. Les oui. Personnes âgées, c'est bien de se déplacer, aller les voir. En plus, c'est le grand frère de ma mère. Oui. Ouais. Donc, vous avez encore votre maman, votre papa? Non, tous, ils sont pas là. C'est les oncles, c'est les tantes, voilà. La famille. Oui, la famille. Après, quand ils les abandonnent du jour au lendemain, ils disent, oh, oui, comme ses parents ne sont pas là, il ne veut plus nous voir. Donc, à chaque fois quand j'y vais, j'essaie au moins de prendre la voiture, aller les saluer et retourner. Quoi. Oui, oui. Ouais. Donc c'est la fête quand vous allez là-bas? Non, je ne fais pas trop de fête. Non? Non, je ne suis pas trop fête. Non. Mais je veux dire, quand vous voyez, revoyez oui, votre famille. Amis, la famille, oui, je suis content. Ouais. Oui, vous êtes content. J'ai un super ami à Bobo, c'est comme ma famille, quoi. Oui. Même quand mon fils vivait au Burkina, c'est lui qui s'occupait de mon fils, quoi. Mm-hmm. Même j'ai un problème. Au lieu d'appeler un frère ou un demi-frère, je préfère appeler mon ami là, quoi, direct. N'importe quel âge j'appelle, il assure. Oui, oui, vous entraidez beaucoup. Voilà, beaucoup, mm-hmm. Ouais, ça c'est sûr. Oui, ouais. C'est différent d'ici. Des fois, les gens me disent, mais je dis, non, je ne peux pas envoyer de l'argent tout le temps, ça fait des frais, ça me coûte. Donc, je vois avec mon ami, n'importe quel problème, c'est lui qui gère. Ah. Il règle, même, des fois, il règle même sans me demander, quoi. Mm. Quand j'arrive, je dis, non, je te dois combien, je te dois quoi. Ah oui. Il dit ce qu'il dit, je donne quoi. Oui, oui. Ouais. Pourtant, j'ai des frères, mon demi-frère, pareil, je peux l'appeler, parler, faire ça, il ne va pas le faire. Oui, oui. Donc, quand vous arrivez, tout le monde est content. Hein? Ah oui, les amis, ouais. Ceux qui sont amis, ouais, ils sont contents. Après, quand je vivais là-bas, c'est les mêmes distances, quoi. Mm-hmm. Tu étais ami avec moi, on est amis. Tu n'étais pas ami, il ne faut pas dire, je suis arrivé, tu viens me voir, non. Mm-hmm. Chacun... Oui, ah oui. C'est comme ça. Après, si tu t'éparpilles trop, oh, tu ne vas pas t'en sortir. D'accord. Lui veut ça, lui veut ça, lui va, chacun va te dire son techno. Mm-hmm. Il faut rester un peu carré. Oui. Bon, ben, Souleymane, c'est très gentil d'avoir accepté d'être filmé. Pas de souci. Hein? Ouais. Alors, juste, qu'est-ce qu'on pourrait, comment on pourrait conclure? Un dernier petit mot qui pourrait, que vous aimez bien. Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Ben, toujours Souleymane et continue dans ses créations. Oui. Et voilà, il y a toujours des nouveautés. Donc aux visiteurs de passer le voir. Oui. Êtes-vous heureux quand vous créez? Oui. Quand ouais. Je suis dans la cire là, je suis dans mon monde. Quoi. Vous êtes dans votre monde. Ouais, ouais. Eh bien, merci voilà. Et bravo. Voilà, merci à vous. Bravo. Je repasserai vous voir. Voilà, pour la couler, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Bien. Oh lélé, Moliba Makassi. Oh lélé, Moliba Makassi. Oh lélé, Moliba
makasi. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. L'antidote de la colère. Sorcier ! S'écria la femme en se laissant tomber sur une chaise dans la case du sorcier. Ah, ah, sorcier ! Dit-elle en reprenant son souffle, car elle avait couru. Sorcier, c'est pas une vie. Ah, cet homme, mon mari, vraiment, si on m'avait dit avant que je l'épouse qu'il était comme ça, jamais, jamais j'aurais pu me marier avec un homme pareil. Il avait l'air d'une colombe, il était gentil, timide. Ah, vraiment ! Et maintenant, tu le verrais, sorcier, piquer ses colères, il crie, il casse tout. On m'a trahi, voilà, des colères pareilles, mais tout le village accourt, sorcier, et moi, quelle tête j'ai ! Il me couvre de honte, je lui dis « tais-toi, on se moque de nous, tais-toi !» Sorcier, c'est plus un homme ça, c'est de la dynamite. Ma mère me l'avait dit, les hommes, on ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que je peux faire, sorcier ? Aide-moi, j'en peux plus ! Pendant tout le temps qu'elle parlait, le sorcier regardait la femme et cette bouche qui déversait les mots comme les flots d'un fleuve bouillonnant. Ah, cette femme le saoulait tellement de paroles qu'il sentit sourd en lui l'irritation et la colère. Sans doute, se dit le sorcier, une femme pareille peut faire perdre son sang-froid au plus paisible des hommes. S'il voulait guérir le mari de ses emportements, il lui fallait commencer par l'épouse. J'ai quelque chose pour toi, un remède tout à fait efficace contre toutes les colères, dit le sorcier quand il parvint à placer un mot. Et tandis qu'elle se lançait dans de nouvelles incantations sur sa dure condition féminine, il mélangea diverses liquides, remplit une fiole avec le résultat et tendit la bouteille à la femme. « Tiens, lui dit-il, emporte ça, et dès que ton mari commencera à se mettre en colère, prends une cuillère de cette potion, mais surtout, surtout, ne l'avale pas. Garde le remède dans ta bouche le plus longtemps possible sans en avaler une goutte. Tu as bien compris ? Si tu avalais le remède, ça te tuerait. » La femme produisit un flot de paroles pour bien montrer qu'elle avait bien compris et s'en alla enfin avec sa fiole. Rentrée chez elle, elle n'eut pas à attendre longtemps pour que son mari montre tous les signes d'une explosion prochaine. Aussitôt, elle se précipita sur sa fiole, prit une cuillère de la fameuse potion et la garda dans sa bouche aussi longtemps que son mari fulminait. Il se calma. Le lendemain, alors que la crise approchait, elle renouvela l'expérience. Pendant toute la durée de la colère de son époux, elle le regarda, muette, les yeux ronds, les joues gonflées, la bouche close, et elle finit par se calmer. La scène se répéta plusieurs fois pendant les jours suivants. Dès qu'une tempête s'annonçait, la femme fonçait sur la bouteille et gardait dans la bouche la fameuse antidote sans pouvoir piper mot, car il ne fallait pas avaler le liquide. Le sorcier l'avait bien demandé. Les crises du mari s'espacèrent. Un beau jour, alors que l'époux avait eu encore matière à exploser, il remarqua juste avant que la rage ne le dévore, les yeux ronds, l'air conditionné et les joues gonflées de sa femme. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? » lui demanda-t-il inquiet. « Tu n'es pas malade tout de même ?» Elle ne peut pas répondre. Car il aurait fallu avaler la potion, mais tant de sollicitude lui fit monter les larmes aux yeux. Le lendemain, tout excitée, elle courut chez le sorcier. « Sorcier, j'ai fini la bouteille. Donne-moi vite une autre.
C'est un antidote puissant. Mon mari s'est calmé, vraiment, c'est un autre homme. Je ne le reconnais pas. Il m'a même demandé si j'étais pas malade. Le sorcier eut un petit sourire. Femme, répondit-il, remplis la bouteille toi-même. Elle ne contenait que de l'eau. Ce qui a guéri ton mari, c'est pas cette eau, c'est ton silence. Moralité, comme on dit chez les Tchèques, quand la femme ne sait plus quoi répondre, c'est que la mère est vide. Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Boka na ye. Boka na ye, boka boka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Oh lele, moliba makasi. Oh lele, moliba makasi. La chauve-souris, une individualiste. Elle n'avait pas toujours été individualiste, la chauve-souris. Au début de son arrivée dans le royaume des animaux, elle allait à toutes les fêtes. Elle était très, 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 très sociable. Et puis, un jour, convocation sur la grande place. On organisait un genre de recensement. La chauve-souris se présenta. Mais comme elle avait dû aller au marché le matin tôt parce qu'elle n'avait plus de beurre de karité, préparer la pâte pour les enfants, finir de laver le linge, l'étendre et passer un coup de balai dans la cour, quand enfin elle arrive sur la grande place, on ne l'attend plus. Alors, vite, elle se glisse au milieu des oiseaux, comptant rester là tranquillement jusqu'à ce qu'on l'appelle. Mais les oiseaux se mettent à pépier à qui mieux mieux. « Dehors, dehors, ouste, dehors, mais qu'est-ce que tu fais là ?» « Je me mets avec vous, pour le recensement, » répond la chauve-souris. « Avec nous ? Pourquoi avec nous ? Mais tu n'es pas des nôtres. Allez, ouste, dehors !»« Mais je suis bâtie comme vous, » proteste la retardataire en agitant ses ailes. « Regardez !»« Comment ça ?» s'exclament les autres. « Et cette bouche alors avec ses dents, hein ? Tu nous la ferais passer pour un bec ? Et ses poils, tu trouves qu'on dirait des plumes ? Faudrait pas nous prendre pour des pigeons, ma souris !» La chauve-souris, triste, et vexée, se glisse donc à petits pas du côté des animaux à pattes et à poils. « Hé, oh là ! Halte là ! » s'écrie-t-on aussitôt dans ce groupe. « Qu'est-ce que tu crois faire ici ? Je viens justement pour le recensement, » répond naïvement la chauve-souris. « J'ai été convoquée ?»« Oh, doucement !» rétorque d'une seule voix rongeurs et mammifères en tout genre. « Marches-tu comme nous ? À quatre pattes ? Sur le plancher des vaches ? Non ? Tu voles, ma jolie !» Donc tu n'es pas des nôtres. Ben, je vole, mais j'ai des poils, j'ai une bouche et des dents, comme vous, et je pends pas des œufs. Non, je pends pas des œufs, comme les oiseaux, je mets bas mes petits, comme vous. Comme nous, hein?
Mais ce serait trop facile, s'écrient les autres scandalisés. On passe ses journées dans les arbres, on passe ses nuits à jouer les avions à réaction, et puis on voudrait, parce qu'on a du poil au menton, se faire passer pour un quadrupède. Non, 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 dehors, dehors, dehors. On a beau avoir des pattes, on ne marche pas. Allons, ouf ! Ainsi, la chauve-souris est expulsée, là aussi. Déconfite, elle se retourne chez elle. Mais comme elle n'est pas du genre à se laisser abattre, elle réagit tout aussitôt. Alors c'est comme ça. Personne ne me veut. Eh bien, je n'ai pas besoin d'eux non plus, se dit-elle résolument. À quelque temps de là, les envoyés du roi le lion font le tour des contribuables pour percevoir les impôts dus sur l'année et frappent naturellement à la porte de la chauve-souris. « Il faut payer sa majesté le roi, » disait-il sur le ton de la loi. « Payer ? Moi ?» s'étonne la chauve-souris. « Mais regardez vos listes, je n'y figure pas. » Et elle leur ferme la porte au nez. Un peu plus tard, ce sont les émissaires du grand maître des cieux, le seigneur Aigle, qui accourent dans la cour de notre solitaire chauve-souris. « On vient pour les impôts, » disent-ils. « Tous les sujets de l'aigle doivent payer. »« Payer ? Moi ?» s'étonne la chauve-souris. « Mais regardez vos listes, je n'y figure pas. » Et d'un coup d'aile, elle claque la porte. Ça leur cloua le bec. Moralité, comme disaient les Grecs, le monde est une pièce de théâtre. Il faut apprendre à jouer son rôle. Oh lélé, oh lélé, molipa makasi. Oh lélé, molipa makasi. Oh lélé, molipa makasi. Oh lélé, oh lélé, molipa makasi. Oh lélé, oh lélé, molipa makasi. Boka na ye. Boka na ye, boka boka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Oh lele, oh lele, moliba makasi. Oh lele, oh lele, moliba makasi. La patience mal récompensée. Au tout début du monde, les habitants de la planète Terre n'étaient pas aussi diversifiés qu'aujourd'hui. Tous les animaux, par exemple, portaient la même tête. Mais un beau matin, le Créateur se lassa de voir toujours ces mêmes nez, ces mêmes gueules. Il organisa donc une grande cérémonie où chacun fut invité à venir recevoir du Créateur la tête qui lui convenait le mieux. Pensez, si des quatre coins du monde on se prépara à venir à cette cérémonie, une nouvelle tête, c'était tellement important pour l'avenir. Le caméléon, la tortue prirent la route des mois avant l'événement pour être sûrs de ne pas le rater. Mais même les animaux plus rapides, léopards, antilopes, ne prirent pas le risque de partir au dernier moment, de crainte d'arriver à la fin de la distribution et de ne plus avoir qu'une mauvaise tête, une tête de linotte ou une tête de mule. Bref, tout le monde prit ses précautions et le jour J, enfin, se leva.
Sur la grande place du marché, Dieu avait installé des centaines de têtes chercheuses, têtes de tout poil et de tout calibre. Il y en avait tellement de quoi vous faire tourner la tête. Les animaux, pas habitués à de tels étalages, n'en croyaient pas leurs yeux. On entendait partout fuser les cris d'admiration. « Waouh, celle-là, tu as vu celle-là avec la trompe? Oh, comme elle m'irait bien! Et celle-là, avec la moustache? Qu'est-ce qu'elle est chic? Waouh, celle-là, avec les trois cornes !» Bref, la tortue avait déjà repéré une tête d'éléphant du meilleur goût. Elle comptait bien se l'approprier. La fourmi convoita une frimousse avec trois becs. Le moustique se voyait déjà affublé d'une crinière de lion, tandis que la souris s'était fermement engagée à ne pas s'en aller sans sa tête de chameau. Bref, chacun tirait son plan quand le crabe, maître de cérémonie, grimpa sur l'estrade et demanda le silence. « chers amis, dit-il, ne nous laissons pas emporter par de vaines prétentions. Nous sommes ici pour recevoir la tête qui nous convient et pas une autre, je vous le promets. Chacun de nous s'en ira satisfait. Alors, à présent, que la distribution commence !» Ainsi donc, les animaux défilèrent les uns après les autres devant le Créateur qui, selon la posture, la taille, les habitudes alimentaires de chacun, etc., etc., plaça une nouvelle tête et chacun, après avoir été servi, reprenait la route du retour. La tortue, la grenouille, la souris, le moustique avaient été parmi les premiers nantis, mais il y en avait encore tant. La journée suffirait-elle pour s'occuper de tout ce monde? Le crabe, du haut de son estrade, continuait à haranguer la foule impatiente. « Calmez-vous, ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde, » lançait-il. Et effectivement, la foule diminuait comme le choix des têtes quand les gros animaux, éléphants, hippopotames, chameaux, buffles et autres furent servis, on passa aux oiseaux et quand le pigeon, le dernier de tous, s'envola, le crabe regarda Dieu d'un air satisfait. Ah ! Ils avaient fait du bon travail. Sur les étals des présentoirs, il n'y avait plus rien. Alors, tout d'un coup, le crabe paniqua. « Et moi ? » dit-il à Dieu. « Où as-tu mis ma tête ? Tu m'avais quand même bien gardé une tête. » Dieu eut l'air ennuyé, leva les yeux au ciel, espérant trouver l'inspiration, prit une mine contrite. « À vrai dire, je suis désolé, » dit Dieu dans la confusion du moment. « J'ai dû donner ta tête à un autre. » Oh, une erreur stupide, hein? Mais comme ça, t'es pas mal non plus. » Et c'est ainsi que de tous les animaux, le crabe est le seul à n'avoir pas de tête. Moralité, comme on dit chez les Basques, l'aiguille habille les autres et demeure nue. Oh, lélé! Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Oh lele, moliba makasi. Oh lele, moliba makasi. Boka na ye, boka boka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Oh lele, moliba makasi. Oh lele, moliba makasi. Eh oh, legeda aya.
Bengela aya. Bengela ohoya ohoya kara ohoya ohoya Bonginza ohoya ohoya Bengela ohoya ohoya kara ohoya ohoya Bonginza ohoya ohoya Olele luka olele moliba makasi. Le chacal et le coq. La porte est ouverte, le chacal entre dans le poulailler. Le coq est là, tout seul, à pomponner sa crête et à lisser ses plumes. « Oh, ami coq, comme vous êtes beau, comme vous êtes chic !» lance le chacal. « Mais à part cela, vous n'êtes qu'un ignorant !» Le coq manque de s'étouffer sous l'affront. « Tu entres ici pour m'insulter » s'insurge-t-il. « Comment cela? Je ne suis qu'un ignorant. Serais-tu un savant, toi, peut-être ?»« Je sais mille tours, » répondit modestement le chacal. « Mille et un tours, par exemple, je peux fermer un œil en poussant un grand cri. »« Oh, fermer un œil en poussant un grand cri, mais quelle suffisance !» s'exclame le coq. Le premier imbécile venu sait fermer un œil en poussant un grand cri. A-t-on jamais entendu stupidité pareille? Fermer un œil en poussant un grand cri. Et tu crois être exceptionnel? Eh bien, regarde donc, regarde là, là, de ce côté, cet œil. Non, pas sur ma crête, l'œil là, voilà. Je le ferme et pousse un grand cri. Et effectivement, le coq pousse un grand cri à vous fendre le cœur, car en ayant fermé l'œil qui voyait le chacal, hop, d'un coup, d'un seul, la saisit et l'emporte dans ses mâchoires. « Tu vois bien à quel point t'es stupide !» marmonne le chacal entre ses dents tout en gloussant de rire. « Mais fermer un œil en poussant un grand cri, ça tu l'as vite appris !» Honteux, le coq ne pipe mot. Il songe à son panache qui se froisse entre les crocs de cette brute épaisse et écrase une larme quand, tout d'un coup, Dame Poule apparaît au sommet d'une colline. « Lâche ce coq, espèce de cannibale !» s'écrie-t-elle, emportée par une juste indignation. « Lâche ce coq ! Ne doit-on pas, nous autres animaux, s'entraider ? Mais qu'est-ce qui te prend de t'attaquer à nous ? Lâche ce coq ou je fais un malheur !» Le chacal, ennuyé, veut prendre la tangente quand le coq intervient. « Dis-lui que c'est un jeu, qu'on s'amuse, elle te fichera la paix. » Sans réfléchir, le chacal crie « Vous fâchez pas, Madame Poule, on plaisante !» Mais pour ce faire, tout grand, il a ouvert ses mandibules et le coq a filé. En sécurité sur la branche d'un arbre, il regarde le chacal avec miséricorde. J'en connais pas des tours, moi aussi. Moralité. Comme disait Corneille, quelque fin que tu sois, tiens-toi pour affiné. Ce qui veut dire que lorsqu'on a recours à la ruse pour tromper autrui, on peut soi-même se faire affiner, c'est-à-dire duper. Oh lélé, oh lélé, moliba m'a cassé. Ah la la, ah la la, la la la, la la la. Oh lélé, oh lélé, moliba m'a cassé. Oh lélé. Oh lélé, moliba m'a cassé. Oh lélé, oh lélé, moliba m'a cassé. Boka na ye, boka na ye, boka moka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka moka kasai. Oh lélé. Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Eh oh, eh oh.
Bengera aya. Bengera ohoya oyakara ahoya oya onginza ahoya oya bengera ahoya oyakara ahoya oya onginza ahoya oya olelenza olele moliba makasi. Le combat du coq et de l'éléphant. Jadis, quand on était tous frères, l'éléphant et le coq vivaient au village des hommes, des femmes et des jeunes filles. Et les jeunes filles, quand ça s'y met, ça peut faire tourner la tête d'un coq et même d'un éléphant. Et c'est très exactement ce qui arriva. Nos deux compères tombèrent follement, frénétiquement, superlativement amoureux d'une seule et même jeune fille. Tous les deux voulaient fébrilement, fanatiquement, carrément l'épouser. Alors, que faire? On demanda bien sûr l'avis des vieux. L'avis des jeunes, c'était pas la peine. Ils auraient dit « laissez tomber la fille, on s'en occupe ». On demanda donc l'avis des vieux. Tout le monde se réunit sous l'arbre à palabre pour discuter, mais le coq et l'éléphant n'arrivaient vraiment pas à se mettre d'accord. Et en fait, ce qu'ils voulaient, eh bien, c'était la bagarre, et pas plus. L'éléphant disait « Regardez-le, ce petit coq, mais je peux l'écraser d'un coup de patte. Eh bien, il s'imagine pouvoir lutter avec moi, c'est ridicule !» Et le coq répondait « Ah, puisque tu es gros, tu te crois fort, hop hop !» Allez, allez, viens, viens te battre, on verra bien qui de nous deux vaincra. C'était inévitable, il devait en venir aux mains et on décida donc d'un combat. Tous les joueurs de tam-tam et tous les habitants du village sont là. Tous les animaux qui marchent sont, bien sûr, pour l'éléphant. Tous les animaux qui volent, pour le coq. Et le combat commence. Mais le coq n'est pas seul. Il a appelé ses amis les abeilles. Les abeilles arrivent et entrent dans les oreilles de l'éléphant, dans sa trompe, dans sa bouche. Elles se glissent dans ses poumons, elles lui chatouillent l'œsophage, elles le piquent partout. Oh, oh ! L'éléphant souffre, il se frappe avec sa trompe, il joue les ventilateurs avec sa queue, ses oreilles battent l'air, il saute comme un possédé et finalement s'enfuit en poussant un long barrissement pour laisser le coq seul maître des lieux. Et c'est depuis ce jour que l'éléphant n'habite plus le village des hommes, tandis que le coq continue d'y mener une vie de donjon. Et tout ça grâce à qui? Eh bien oui, grâce aux abeilles. Moralité, l'abeille est honorée parce qu'elle travaille non pour elle seule, mais pour tous. Oh lélé, oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, oh lélé, moliba makasi.